Bonjour Grégoire, bonjour Natacha, bonjour Loïc. Je ne sais pas si Yves Montand était avec nous là aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il penserait de cette nouvelle version après à bicyclette. Voici la version à trottinette. Bah alors une trottinette tout terrain. Oui, parce que vous voyez de plus en plus de trottinettes sur nos trottoirs et dans nos rues. En fait, ça se multiplie. Il y en a des trottinettes électriques de plus en plus. 40 000, on dit, d'unités vendues jusqu'à cette année. Et bon, il y en a beaucoup, il y en a en partage. Ce serait bien que parfois que certains respectent les règles de circulation. Ouais. Mais en tout cas, on les voit moins en dehors des sentiers battus, ou plutôt des trottoirs battus, parce que forcément, ce n'est pas forcément adapté. Nous avons testé une trottinette électrique tout terrain. Voilà. C'est-à-dire en montagne, là-haut. En montagne, ça s'appelle Easy Trot. Easy parce que, à l'instar de son cousin le VTT, c'est hyper facile. Et à l'instar de son cousin le VTT, vous allez partout. Vous êtes un vrai cabri, ça monte ouais, vraiment avec ce petit moteur, ça passe partout. Vous allez me dire, parce que je connais la question, en quoi c'est sportif ? Non, moi j'allais dire cabri, c'est fini. Et chamois, ouais, c'est plus pompier. Et vous oui, pourquoi c'est sportif ? Merci pour la question. Bah, c'est sportif parce que si vous connaissez la moto trial, vous savez, cette discipline dans laquelle vous devez rester en équilibre et passer des obstacles sans poser le pied à terre, bah, là, c'est à peu près le même principe. Comme vous ne pédalez pas, vous n'avez pas de selle, vous êtes tout le temps debout, vous en avez plein les bras, plein les jambes. À la fin de la journée, vous êtes rincé, mais vous êtes bien amusé. Vous avez fait une balade verte, motorisée, mais verte. Nous sommes allés dans un superbe endroit, autour du lac d'Annecy, Semnoz, en Haute-Savoie. C'est vraiment magique. Voilà, il fallait un terrain magique pour tester cette trottinette. On envoie les boîtes. Ouais, c'est de la triche. T'as un moteur, c'est quoi ton engin ? Trottinette tout terrain électrique. J'essaye ? Ouais, si tu veux. Trottinette. Elle pèse combien cette batterie ? 5 kilos. Je vais la garder pendant 55 km ? Oui, au bout de 5-10 minutes, on la sent plus. Ça se branche comment ? On prend rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Donc au démarrage, donc vous appuyez sur le contrôleur, sur le point rouge. Et puis après, vous vous lancez. Donc comme une trottinette, et vous appuyez tout doucement sur l'accélérateur. Easy Trot, c'est une trottinette de descente où on a rajouté un moteur électrique pour pouvoir aller sur n'importe quel chemin, vraiment du tout terrain. Donc la batterie se trouve dans le dos, c'est une batterie de 1200 watts qu'on branche directement sur la trottinette via un câble. Donc nous avons un display qui vous donne le niveau de la batterie et qui vous permet surtout de sélectionner les vitesses. Et un moteur de 48 volts électrique avec une petite manette accélérateur pour pouvoir avancer. Tu peux me décrire la trottinette ? Les roues 24 pouces, double paroi, donc ça encaisse quand même pas mal les chocs. On est sur des pneus renforcés. Après, on est sur des gros disques avec plaquettes en hydraulique. C'est-à-dire que ça freine sec ? Ça freine fort. On va jusqu'à 40 km/h, rapport poids-puissance, et ça passe partout. L'autonomie est de 55 à 100 km suivant le terrain. Donc, il faut être souple sur les jambes et sur les bras, très décontracté, et puis ça roule tout seul. Oh, c'est assez magique, j'ai l'impression d'être une tortue ninja sur une trottinette. Ça va, si t'appuies un peu, ça envoie un peu. Hein. Ça va vite, hein. Wouh ! Si on chute, donc la trottinette se déconnecte tout de suite, le câble est très très bien fait, c'est hyper pratique. On peut pas s'asseoir, donc on prend tout dans les jambes, tout dans les bras. C'est pour ça que je dis qu'il faut être souple, parce que sinon tu vas te fatiguer très très vite. Moi, je suis souple, hein. Pour un débutant, c'est pas mal. Après, tu vois, tu peux jouer avec les genoux, avec les bras. À l'inverse, toc, toc. C'est très, très maniable, très stable. Faut garder les pieds sur la trottinette. Toujours. Les pieds bien à plat, bien calés. Position un peu de ski. Donc, en type d'engin, on est sur un mix de VTT et de moto trial. On joue vraiment avec le corps complet. Contrairement à un VTT, ben, on a pas mal aux jambes, on a pas mal aux fesses parce qu'il n'y a pas de selle. Et on prend vraiment du plaisir. Je pense que ça convient très très bien aux gens qui ne veulent pas faire de VTT, mais qui aiment la nature, sans trop marcher. C'est quoi ton plaisir ? Ah, le plaisir, c'est la nature. On est en pleine nature, on ne fait pas de bruit, on n'embête personne. C'est écolo ? C'est écolo, puis ça passe partout, regarde, ça passe partout. Bon, on a pas mal aux jambes, Au départ, j'avais l'impression que vous aviez envie de pédaler. On a envie de pédaler, oui, ça ressemble à un gros VTT, mais bon, il n'y a plus de selle, il n'y a plus de pédale, et ça va vite, et c'est très sympa. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa. En fait, je me suis vraiment amusé, et c'est sportif. Donc, je voudrais remercier quand même ceux qui étaient avec nous, qui ont roulé avec nous, Martial qui était notre guide, mais il y a Anaïs, Manu, Loïs, Cédric et Romain. Ça, à partir de 10-11 ans, c'est aussi une question de poids, une question de dextérité. Ça peut se pratiquer un peu partout. Peu partout dans la région, en Haute-Savoie, on en voit se développer un peu partout, c'est Easy Trot. C'est vraiment très sympa.
Après, à la différence des trottinettes qu'on peut voir dans nos zones urbaines, là, vous pouvez en faire partout sur les chemins. À Paris, ce serait bien que certains respectent un petit peu les règles de civisme sur le trottoir ou sur la route. Ça peut aller très vite sur la route, ils n'ont pas forcément de casque, un peu compliqué. Oui, ça va très vite sur les trottoirs et ça bouscule les jeunes dames qui sont parfois enceintes. Donc, il faut faire attention. Non, mais c'est vrai. C'est silencieux. Non, mais c'est vrai. On n'entend pas et puis ça arrive dans le dos. C'est pas toujours. En revanche, pour la Haute-Savoie et pour la nature en règle générale, c'est silencieux. On peut voir les petits animaux, c'est génial. Merci beaucoup, Greg. Et tous les renseignements, évidemment, sont sur le site de Télématin.